Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo crash test. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. J'ai quand même hésité parce que je sais que pas mal de copines vont le faire ou se sont procurées aussi cette petite merveille et du coup, j'ai hésité. Et puis, quand je l'ai swatchée, je me suis dit quand même, il faut que je me maquille avec parce que je viens juste de la recevoir. J'avais fait mon teint ce matin exprès en me disant si je la reçois aujourd'hui. Je la teste direct et je me suis dit bon allez, je vais tester même avec vous. J'ai juste swatché, j'ai fait une jolie photo pour mon Instagram évidemment parce que je me devais de la faire. Et je vous avoue que rien qu'au swatch, je suis particulièrement étonnée, en même temps sceptique, en même temps ravie. Trop de sentiments. Alors déjà, pour info, j'adore Huda Beauty. Vraiment, j'ai toutes ces palettes juste à côté là dans mon rangement make-up. J'ai toutes ces palettes, j'ai adoré la New Nude, c'est vraiment une de mes favorites de chez Huda Beauty et j'aime beaucoup les petites celles-ci en fait là qui sont ce format-là. J'ai quasi tout d'ailleurs et je les aime beaucoup parce qu'au niveau pigmentation et tout, je suis rarement déçue. Et là, alors certes, oui, beaucoup vont dire cette nouvelle palette qui s'appelle la New Naughty ou Naughty Nude, je sais pas trop comment elle se prononce. Elle est quand même encore une fois dans les teintes rosées, un peu burgundy, avec un peu de marronné. Donc vous la voyez quand même là, clairement, elle est vraiment très jolie. Et on a beaucoup de marbré et de textures un peu particulières. Et c'est ça qui fait la nouveauté de cette palette-là. Alors en revanche, Huda Beauty, elle a augmenté son prix. Elle est à 68 euros de base sur Sephora, ce qui n'est pas donné. J'ai pu l'avoir avec un code de réduction, mais c'est vrai que bon, et puis c'est mon chéri qui me l'a offert, donc non, ça passe mieux. Mais elle est pas donnée, c'est clair. Donc c'est pour ça que peut-être que ma revue pourra vous aider à soit l'acheter ou soit ne pas l'acheter. Et cette teinte-là est juste extraordinaire. Je trouve qu'elle est particulièrement bizarre, mais en même temps, j'ai hâte, j'ai trop envie de la tester. C'est une sorte de marron. Je vais vous montrer le swatch après. Mais alors, elle était cuivrée, on voit encore un petit peu. Mais forcément, cet effet un peu marbré, cuivré, quand on met le doigt, comme c'est des textures crémeuses, eh bien, elle se mélange tout simplement. C'est des textures crémeuses, mais en même temps, au swatch, c'est poudreux. Enfin, c'est poudreux. C'est de la poudre, mais c'est pas du tout poudreux dans le sens où ça va faire des chutes. Donc c'est assez particulier. Celle-ci c'est The Far qui fait parler de lui, c'est le Slippery. C'est alors moi avec le mélange, on voit plus grand-chose mais c'est un gel un peu transparent. Donc celle-ci est vraiment crémeuse avec des bulles dedans, des boules de pigments je pense hein, tout simplement qui sont entre le orange et le bordeaux. Et ça donne une texture bizarre. Alors ça, je sais pas du tout comment l'utiliser sur mon teint, sur mes yeux. Et voilà que le soleil a décidé d'arriver. C'est donc vraiment celle-ci qui m'intrigue. Je sais pas du tout comment l'utiliser. Les mattes sont dignes de Huda Beauty. C'est vraiment de très jolies mattes. J'ai pas tout swatché au niveau des mattes, mais je vous montre le peu de swatch que j'ai fait. Vous voyez plutôt bien. Donc j'ai fait beaucoup d'irisés. Ces textures un peu crémeuses, pailletées, mais qui sont pas avec des paillettes en elles-mêmes à l'intérieur. Celle-ci, c'est la fameuse teinte un peu gel transparent. Vous voyez, c'est l'espèce de rosé qui ressort. Elle est vraiment particulière, hein. Comme vous pouvez voir. Là, c'est le fameux marron, là, marbré, avec un peu de citrouille à l'intérieur. Je sais pas décrire cette teinte, mais elle est vraiment impressionnante. Regardez cette teinte-là, elle est juste merveilleuse. Et au swatch, elle s'est vraiment fondue en 2 secondes. Là, vous avez aussi encore une fois des très jolis swatchs. Celle-ci est assez discrète. Bon, après, peut-être que j'ai pas appuyé assez. Mais les autres ont l'air pas mal du tout. Ça, c'est un seul mat que j'ai swatché avec celui-ci. C'est un mat qui ressemble très très bien à Huda Beauty. J'espère juste qu'il s'estompe bien parce qu'il arrive parfois que certains mats de chez Huda Beauty ne s'estompent pas correctement et du coup c'est assez patchy. Mais c'est pas le cas de tous. C'est vraiment le cas de ce genre de couleur-là chez Huda Beauty. Donc on va voir ça. Je vais pas pouvoir tout tester évidemment aujourd'hui. Puis j'ai pas envie de faire 2 make-up parce que je vais sortir après et j'ai envie de ressembler à quelque chose de normal. Mais j'ai bien envie de tester cette espèce de marron qui ira très bien avec le genre de teinte que je porte. Et en lumineux, je verrai bien. Honnêtement, je sais pas. Je peux pas vous dire si je vais tester cette chose-là parce que c'est vraiment particulier et c'est quand même crémeux. Et ça reste crémeux. C'est ça que je veux dire. Du coup, est-ce que ça va pas filer dans les plis, etc. Ça, je peux pas vous dire. D'ailleurs, si vous avez acheté cette palette-là, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et si vous avez déjà fait plusieurs make-up avec, n'hésitez pas à me dire aussi vos avis en commentaire. Mais vraiment, en tout cas, les swatchs sont me plaisent énormément. Celle-ci est vraiment très très jolie avec cet effet duochrome. On a vraiment de très très jolies teintes. Et celle-ci, je sais pas, j'ai un coup de cœur pour celle-ci.
Je vais faire le coin ici, le dessus de la paupière avec cette teinte qui est hypnotique, la plus claire. Je vais faire ensuite mon coin là, ici externe avec cette fameuse teinte un peu particulière. Je pense que je vais foncer aussi avec celle-ci, la Naughty. Et au niveau des lumineux, je vais voir ce que je vais utiliser parce qu'il y a vraiment beaucoup de beaux lumineux. Peut-être le marbré qui est ici. Oh, je vais voir ce que ça donne, mais j'ai hâte, ils ont l'air vraiment très très joli au niveau des teintes. Donc on va commencer par la hypnotique. Oh bah en fait elle est vraiment beaucoup trop foncée. Je m'attendais à quelque chose de plus clair. Du coup il n'y a pas de couleur chair en fait à l'intérieur de cette palette du coup. Bon, elle est un peu foncée, je pensais que c'était plus clair. On va passer à la hard, la fameuse couleur qui me plaît beaucoup là, qui est espèce de marron et en même temps un peu camel, je sais pas comment vous expliquer cette couleur, mais elle est assez particulière. Donc je mélange dans le pan, j'ai bien envie de la mettre sur toute la peau, enfin la moitié de ma paupière. Alors moi je vous avoue que je vais pas faire de cut crease ou de choses comme ça parce que c'est pas ce que je fais au quotidien, et moi j'aime bien utiliser mes palettes bah comme je les utilise tous les jours et ne pas tous les jours. C'est vrai que j'utilise ce genre de couleur et je fais pas de cut crease, c'est vraiment pour les fêtes que je fais des cut crease. Vous verrez pas, mais en fait il a vraiment des teintes marronnées et en même temps il a cet effet un peu citrouille que j'aime bien. En revanche il y a quelques chutes hein. Avec la teinte marron foncé, le Naughty, je vais faire mon ras de cils et je vais remonter vers l'extérieur. Finalement, celui-ci n'est pas si marronné que ça. Comme ça, dans le pan, on dirait que c'est un marron. Mais sur les yeux, c'est un marron qui tourne vers le burgundy, donc vers le bordeaux. C'est pas ce que j'attendais, mais pourquoi pas. Du coup, je vais mélanger avec le spicy qui, celui-ci aussi, tourne vers le bordeaux, mais beaucoup plus foncé. Donc, la couleur un peu vin. J'aime bien. Donc, je vais mélanger un peu ces deux-là. Comme ça va faire un marronné qui tourne vers le burgundy. Oh, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. Ça fait quelque chose de plus soutenu, hein, comme vous pouvez constater. Je vais essayer de fondre là l'extérieur, même si j'ai pas de couleur chair. Je vais faire avec mon pinceau qui est propre et j'estompe un maximum pour que ce soit plus joli. Ce qui est bien avec les Huda Beauty, c'est que les fards mat se travaillent vraiment très 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 bien. Là, si vous verrez bien, mais ça se fond très bien. Les matières entre elles se fondent très bien. Si vous voulez estomper, c'est parfait. Là, le burgundy est vraiment très très beau et pas du tout patchy. Pour l'instant, j'ai rien vu de bizarre. J'ai eu quelques chutes, mais vraiment légères. Donc, j'aime beaucoup pour l'instant. Je vais passer à un lumineux. Je ne sais pas lequel utiliser au niveau des lumineux. Je pense que je vais prendre cette teinte là qui s'appelle la provocative, qui est un mélange de burgundy et de doré, donc je me dis que ça va peut-être bien aller avec ce make-up. Oh oui, c'est une très très jolie couleur. Bon, moi qui voulais partir dans le marron, bah en fait c'est pas trop possible là, je finis par faire quelque chose de rosé burgundy, mais il y a des petits reflets dorés qui sont très très beaux. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais c'est superbe et je vais fondre un petit peu le tout. Donc j'ai repris ma couleur, mon pinceau avec la couleur plus foncée pour fondre sur les bords ici. Et maintenant je reprends encore une fois mon pinceau où il n'y a pas de matière avec lequel j'ai estompé tout à l'heure. Et j'estompe encore une fois pour que ça soit vraiment bien fondu. L'estompage, c'est la clé pour quelque chose de joli, hein. C'est pas le plus facile, je trouve, l'estompage. Parce que c'est vrai qu'on a parfois l'impression que c'est estompé et puis au final c'est pas terrible au niveau de l'estompage. Mais j'essaie de bien l'estomper régulièrement pendant mon make-up. Je sais pas si vous verrez, mais ici, j'ai tenté de mettre le fameux, celui avec les espèces de bulles là, mais ça donne rien en fait, juste un petit peu de rosé à l'intérieur, vous voyez, mais ça rend pas grand chose. Donc je vais utiliser la couleur qui est juste à côté là, la tantrique, qui est très lumineuse, et je vais la mettre du coup dans mon coin interne. Ah oui, rien à voir, rien à voir, hein. C'est peut-être une base, hein, cette petite truc là. Hein. Peut-être une base à mettre comme ça, paf paf. Ça sert peut-être de base, de fixateur, j'en sais rien du tout. Mais j'avoue que je comprends pas trop le rôle de cette petite chose. Mais j'aurais tenté. Hein. Voilà le make-up final. Hors caméra, j'ai utilisé sur mes yeux, donc au niveau du coin là,
en bas et en haut au niveau de la muqueuse, le Waterproof Pencil Gel Liner de chez McQueen. Vous savez, c'est un produit que j'adore, que j'ai eu grâce au site Stylevana. Je vous mets les liens en barre d'infos, mais cette petite chose est vraiment trop top. Et au niveau du coin là interne, j'ai utilisé le Bourjois Waterproof en teinte 68 Fair Play. Et au niveau du liner, j'ai utilisé le DHC Liquid Eyeliner Perfect Pro Makeup. C'est le liner, vous savez, DHC, c'est la marque de la fameuse huile qui est vraiment top top top. Et bah du coup là ils ont fait un liner, donc je l'utilise aussi ici. Je l'aime beaucoup, hein, il est pas mal du tout. Et j'ai utilisé le duo comme ça pour les yeux mascara qui fait un effet soi-disant qui donne de la courbure, de la longueur et du volume. Donc il est en deux parties, une partie qui est prévue pour curl and late, donc courbure et longueur, et une partie volume. Honnêtement, je l'aime pas trop ce mascara, je pense qu'il va aller finir sur Vinted parce que je l'ai utilisé deux fois et je... trois quatre fois même, et je trouve qu'il est pas ouf. Je connais d'autres mascaras qui sont mieux pour petit prix, qui font plus de longueur, plus de volume, et moi qui ai des tout petits cils, je trouve pas dingue. Au niveau des lèvres, j'ai utilisé en contour le Lip Contour de chez Huda Beauty de la teinte Muse. Et j'ai fait un mix entre un demi-mat et un liquide mat de chez Huda, qui sont ces deux teintes-là. Donc j'ai utilisé le Famous et le Provocateur. Donc j'ai fait vraiment un mélange des deux pour obtenir cette couleur-là. Oui, j'ai plein de couleurs différentes, mais il fallait que je mélange les deux-là. Pourquoi je voulais mélanger ces deux-là, ne cherchez pas, même moi je ne sais pas. Mais je trouvais que ça allait mieux avec le make-up, parce que le fameux provocateur, là, celui-ci, il a vraiment... il tire vers le violet, et c'est pas ce que je voulais, alors que celui-ci, il tire vraiment plus vers le burgundy, donc je voulais un petit mix des deux. Voilà le pourquoi du comment. Je vous montre de plus près les yeux, comme ça vous voyez un petit peu plus le make-up. Donc c'est vraiment un make-up que j'aurais pu faire sans filmer, hein, tout simplement, le genre de make-up que j'aime bien faire au quotidien, que j'hésite pas à faire pour aller travailler ou pour le week-end. Après, à vous de voir, hein, ce que vous voulez faire. Si vous êtes une débutante, ne vous lancez pas dans cette palette, parce que même si les fards se travaillent très bien, sont crémeux, mis à part cette texture-là, comme on disait, qui est particulière, toutes les autres se travaillent bien, en tout cas celles que j'ai testées, et je pense que c'est de manière générale, parce que j'ai testé les plus difficiles, les burgundy foncés sont souvent les plus difficiles à travailler, et là elles se travaillent très bien, d'ailleurs même mieux que dans la palette Mercury Rétrograde. C'est... elles sont mieux faites, je trouve, au niveau de la texture des mats foncés burgundy. Et les crémeux, il y a beaucoup de lumineux, ils sont très très beaux, très très pigmentés, ils se travaillent très bien, vraiment toute la palette est top, sauf cette fameuse couleur là qui est censée être the couleur, je pense, de la palette, mais moi c'est pas ça qui m'a attiré du tout dans cette palette là qui est, je sais pas trop à quoi sert, peut-être en base, mais en tout cas là, je la retesterai peut-être sur toute la paupière pour voir ce que ça donne, mais je suis pas encore convaincue par cette couleur-là, mais toutes les autres sont très sympas. Celle-ci vraiment me plaît énormément, même en l'ayant utilisée et pour estomper sur le bord, là je la trouve très très jolie. Toutes les teintes qui sont un peu marronnées tirent quand même vers le rosé, le burgundy, donc attendez-vous vraiment, cette harmonie est vraiment clairement un burgundy, un bordeaux, une harmonie de bordeaux avec quelques lumineux qui tournent vers le doré, mais voilà, ça reste dans les mêmes styles de teintes, il n'y a pas de folie dans cette palette-là au niveau des teintes, hein. Si vous êtes débutante, du coup, tournez-vous vers des palettes où il y a plusieurs teintes, plus des marrons qui sont des nudes basiques, peut-être des noirs, des choses comme ça, enfin un noir, un beige, voilà. Pour les débutants, je déconseille. Pour les, comme moi, addicts, oui, je pense qu'il vous la faut dans votre collection parce qu'elle est vraiment très belle. Il y a des lumineux qui sont exceptionnels, vous avez des mats qui se travaillent bien, mais comme je vous l'ai dit, ça tourne vraiment vers le bordeaux, la couleur un peu lit de vin, je crois que ça se dit comme ça, mais c'est vraiment ce genre de couleur qui vous attend avec cette palette-là. Je vais la mettre dans ma salle de bain pour pouvoir l'utiliser plus en profondeur et vous en reparler, je pense, dans une vidéo favori flop, parce que j'aime bien vous faire ça. Mais là, comme ça, je suis assez conquise. J'aime bien, évidemment, comme je vous l'ai dit, ne vous lancez pas dans cette palette-là à 68€ sans réduction. Et surtout, si vous n'êtes pas une fan de make-up, ne vous lancez pas, tout simplement. J'ai hâte d'avoir vos retours, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce make-up. Je suis désolée si la luminosité a varié, mais le soleil a décidé d'arriver, de venir, de partir, de revenir toutes les 4 secondes. Donc j'ai fait au mieux, j'espère que ça vous plaira et que vous allez m'en dire des nouvelles en commentaire. D'ailleurs, j'hésite à vous la faire gagner sur Instagram, donc vraiment...
Rejoignez-moi sur Instagram. Je pense vous offrir cette palette là pour celles qui sont comme moi fans de Huda. Et si vous voulez vous aussi que je vous donne une chance supplémentaire parce que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et vous aurez une chance supplémentaire pour gagner cette palette là, eh bien je vous invite à mettre soit ça dans les commentaires. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très très vite. Salut !